Bienvenue sur l'école de la vie, votre sanctuaire pour explorer la sagesse spirituelle cachée dans nos expériences quotidiennes. Avez-vous déjà remarqué des nombres répétés comme 111, 222 ou 333 apparaissant à des moments inattendus? C'est ce qu'on appelle des nombres angéliques, des messages spirituels conçus pour attirer votre attention et guider votre chemin. Les nombres angéliques ressemblent à des coups de pouce divins de l'univers. Vous pourriez les voir lorsque vous vous sentez bloqué, que vous réfléchissiez à une décision importante ou que vous cherchez un sens plus profond. Aujourd'hui, nous allons découvrir leur signification spirituelle, décoder les messages des nombres 111, 222 et 333 et explorer comment ils peuvent vous aider à vous aligner avec votre moi supérieur. Restez jusqu'à la fin pour entendre une histoire qui pourrait changer votre vision de ces nombres à jamais. Section numéro 1. Que sont les nombres angéliques? D'abord, les nombres angéliques sont des signes du divin. Les nombres angéliques sont des séquences de chiffres répétés qui, selon les croyances spirituelles, sont des messages provenant du royaume supérieur des anges, des guides spirituels ou même de l'univers lui-même. Il représente une forme de synchronicité apparaissant au moment où vous êtes le plus susceptible de les remarquer et lorsque vous avez besoin de conseils. Considérez les nombres angéliques comme un langage universel entre vous et le divin. Chaque chiffre possède une vibration et une signification unique, agissant comme un panneau indicateur spirituel pour vous guider à travers la vie. La clé est d'être attentif lorsqu'ils apparaissent. Imaginez que vous réfléchissez à une grande décision, comme déménager dans une nouvelle ville. Vous remarquez soudain le nombre 111 sur un panneau publicitaire ou sur votre horloge. Cela pourrait être l'univers qui vous encourage à faire confiance à votre instinct et à sauter le pas. La coïncidence est le langage des étoiles. Soyez attentifs et vous entendrez l'univers vous parler. Section numéro 2. Décodage des nombres angéliques populaires. Le nombre angélique 111. Manifestation et alignement. Le 111 est un nombre puissant qui représente l'alignement avec votre objectif supérieur. On l'appelle souvent le nombre de la manifestation car il vous rappelle que vos pensées et votre énergie créent une réalité. Lorsque vous voyez 111, c'est un appel à vous concentrer sur la positivité et à lâcher la peur ou le doute. Vos pensées sont incroyablement puissantes en ce moment, alors choisissez-les avec soin. Prenez un moment pour écrire vos intentions. Ensuite, visualisez-les comme si elles étaient déjà réalisées. L'énergie du 111 amplifie votre capacité à transformer vos rêves en réalité. Là où va votre attention, va votre énergie. Utilisez le 111 comme un rappel pour aligner vos pensées avec vos objectifs les plus élevés. Nombre angélique 222. Confiance, équilibre et harmonie. Le 222 est un message d'encouragement. Il parle d'équilibre, de patience et de confiance en le fait que tout se déroule comme il se doit. L'univers travaille en coulisses pour aligner vos désirs. Voir le 222 signifie souvent que vous êtes sur le bon chemin, même si les résultats ne sont pas encore visibles. C'est un rappel de rester équilibré et d'avoir foi dans le processus. Utilisez ce nombre comme une opportunité pour réévaluer votre vie. Consacrez-vous suffisamment de temps au travail, aux relations et aux soins personnels. Le 222 vous encourage à rétablir l'équilibre si nécessaire. Nombre angélique 333. Créativité et soutien divin. Le 333 représente le soutien et l'encouragement divin. C'est un signe que des anges ou des guides spirituels sont avec vous, vous incitant à partager vos dons uniques avec le monde. Lorsque vous voyez 333, c'est un appel à embrasser votre créativité, à exprimer votre vérité ou à vous connecter avec des personnes partageant les mêmes idées. Faites confiance au fait que vous êtes divinement soutenu par vos efforts. Laissez le 333 vous inspirer à franchir un pas créatif.
qu'il s'agit de commencer un projet qui vous passionne, d'écrire un livre ou simplement de partager votre histoire avec d'autres, c'est le moment d'agir. Vous n'êtes jamais seul. L'univers conspire pour vous aider à réussir. Section numéro 3. Comment reconnaître et répondre aux nombres angéliques? Les nombres angéliques apparaissent souvent lorsque vous cherchez de la clarté, apportez des changements ou faites face à des défis. Pour les reconnaître, pratiquez la pleine conscience et restez présent dans votre vie quotidienne. Voici quelques étapes pratiques. Numéro 1. Faites une pause et réfléchissez. Lorsque vous voyez un nombre angélique, arrêtez-vous et demandez-vous. À quoi pensais-je lorsque j'ai remarqué ce nombre? Étape numéro 2. Méditez sur sa signification. Passez quelques instants en silence pour vous connecter au message. Étape numéro 3. Prenez des mesures inspirées. Utilisez la signification du nombre pour guider vos prochaines actions. Par exemple, voir le 222 pourrait vous inciter à faire confiance au timing d'une grande décision. Laissez-moi vous partager une histoire puissante. Une amie à moi était coincée dans un travail stressant qui la laissait insatisfaite. Elle a commencé à voir le 111 partout. Sur des reçus, des plaques d'immatriculation et même son réveil. C'est comme si l'univers lui donnait un coup de pouce pour faire confiance à son instinct. Encouragée par le message du 111, elle a pris un grand risque et a lancé sa propre entreprise. Aujourd'hui, elle s'épanouit et dit « Je serais resté bloqué si je n'avais pas prêté attention aux signes. » C'est le pouvoir transformateur des nombres angéliques. Il vous aide à trouver le courage de suivre votre chemin. Section numéro 5. Le but spirituel des nombres angéliques. Les nombres angéliques ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des rappels que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Ils nous invitent à vivre intentionnellement, à faire confiance au processus et à écouter les conseils du divin. Commencez un journal dédié aux nombres angéliques. Chaque fois que vous en remarquez un, notez ce qui se passe dans votre vie et les pensées que vous avez. Avec le temps, vous commencerez à voir des schémas et à établir une connexion plus profonde avec ce message. Section numéro 6. Faire confiance au conseil de l'univers. Les nombres angéliques nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls. Ce sont comme de petites miettes spirituelles nous guidant vers plus de clarté, de but et de paix. Avez-vous remarqué des nombres angéliques dans votre vie? Quel message pensez-vous qu'ils vous ont apporté? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Je serai ravi de les entendre. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à l'École de la vie et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos explorations dans les mystères de la spiritualité. L'univers parle en murmure. Écoutez avec un cœur ouvert et vous comprendrez. La prochaine fois que vous voyez un nombre angélique, prenez-le comme un signe que vous êtes exactement là où vous devez être. Faites confiance au voyage et laissez l'univers vous guider.